Difficile de plancher sur les sujets du brevet avec des températures atteignant près de 40 degrés. Les parents d'élèves et les enseignants tiraient la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours face à l'épisode de canicule qui s'annonce. Le ministre Jean-Michel Blanquer a choisi de reporter les épreuves du brevet des collèges, initialement prévues jeudi et vendredi, correspondant aux deux jours les plus chauds à venir. C'est donc la première fois en France que des examens sont reportés pour des raisons climatiques. Donc le ministre, conscient de ces difficultés, a fait le choix de reporter les épreuves du brevet lundi et mardi prochain. Donc les enfants sont convoqués aux mêmes horaires, au même endroit. Simplement, au lieu de venir jeudi et vendredi, ils viennent lundi et mardi. Et nous allons faire en sorte que les choses se passent du mieux possible pour eux. Les centres d'examen avaient déjà reçu des consignes dans l'optique du maintien des épreuves, bouteilles d'eau et stores baissés. C'est une décision au final plutôt saluée par les parents d'élèves, mais c'est l'occasion de demander plus d'investissement dans les locaux. Cette réaction, je pense qu'elle est, relativement positive pour la santé et le bien-être des élèves. Et surtout, cette situation met en évidence que les bâtiments scolaires aujourd'hui ne sont pas adaptés en fait, au changement climatique. On a aujourd'hui des bâtis scolaires qui sont mal isolés, qui n'ont pas de volets potentiels, qui sont orientés plein sud. Il faut retravailler ces bâtis, il faut travailler sur la végétalisation aussi des structures. Donc il y a tout un travail à mener pour préparer cette transition et ce changement climatique et faire en sorte que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Et pourquoi pas s'inspirer du modèle allemand? Ils considèrent que si à 11h du matin, le thermomètre affiche plus de 25 degrés dans une salle témoin, les élèves sont libérés. Car dans les années à venir, ce type de canicule risque de se reproduire.